l'Italie, quand on aime, on suit. Fellini aurait été sans doute très inspiré par cette procession, mélange de genre, d'images, de sons. L'Italie vit ses croyances avec passion. Idolâtrie, vénération, culte, représentation, la rue est un théâtre d'expression permanente. On y adore ses saints ou ses stars, à chacun selon sa passion. Le dimanche, sur le coup de 16h, la rue, justement, est déserte de Milan à Turin. Une vieille tradition. Jadis, en l'an 50 avant Jésus-Christ, c'était exactement la même chose. Ils étaient tous au cirque pour le spectacle de l'époque. Aujourd'hui, ils sont au stade pour voir les nouveaux gladiateurs, Los Rucatores, les joueurs de football. Ils partent à l'assaut de vaisseaux d'un autre âge, exemple le stade San Siro à Milan, pour une rencontre bien ordinaire du championnat. L'Inter de Milan recevant Avellino, classé seulement 12e. Et pourtant, 65 000 spectateurs. Des affaires pour tout le monde, et surtout pour le Calcio, le football le plus riche du monde. Dimanche dernier, le record des recettes est même tombé à Naples à l'occasion de la venue de Rome, 7,5 millions de francs. On comprend alors facilement pourquoi les plus grandes vedettes internationales jouent en Italie. Hier, les Brésiliens, aujourd'hui encore Platini, Boniek ou Brady, Rummenig, pour ne citer que les joueurs les plus connus de l'Inter. Le Calcio est surnommé le mini-championnat du monde. Les Italiens l'adorent, il est riche en lire et en valeur. La Juve n'est-elle pas championne d'Europe? La force du Calcio, c'est aussi la concentration de son élite répartie en 16 clubs et 14 villes, du nord de l'Italie, industrielle, au sud bien plus pauvre. Mais la véritable force du football italien, c'est aussi le très fort sentiment nationaliste qui réunit justement toutes ces contradictions. Un sentiment exacerbé lors de la première Coupe du Monde remportée par l'Italie, c'était en 1934 à Rome. Plus que le football italien, c'est le fascisme de Mussolini qui triomphait. Salut fasciste des Italiens, mais pied de nez tchécoslovaque qui, après avoir ouvert le score par Puk à la 8e minute, résisteront jusqu'à la 83e et l'égalisation d'Orsi. Chiavo donnant en fin de match sa première Coupe du Monde à l'Italie. Une Coupe du Monde qui, sur le plan sportif, n'est pas volée. Quatre ans plus tard, à Paris, il récidive. En finale, sous l'œil d'Albert Lebrun, ils vont balayer la Hongrie, 4-2. Colozzi marque le premier pour l'Italie. Réplique de Tikos pour la Hongrie. Piola inscrit le second but italien, suivi d'un troisième à nouveau de Colozzi, juste avant la mi-temps. Le capitaine hongrois Sarrozzi ramenant le score à 3-2, avant que Piola n'inscrive le quatrième et dernier but italien, un triomphe pour Vittorio Piozzo, le sélectionneur de l'époque. Il faudra 44 ans pour qu'un sélectionneur italien renouvelle ce geste. Enzo Berzotte, c'était en Espagne il y a 4 ans. L'Italie remportait sa 3e Coupe du Monde face à l'Allemagne. Une tête plongeante de Rossi donnait confiance aux Italiens et faisait douter un peu plus les Allemands, bien ébranlés déjà en demi-finale par la France. Des Italiens qui se mirent alors à jouer offensivement. Regardez bien, ils vont être 5 dans la surface de réparation allemande. Du jamais vu. À toi, à moi, à toi. Avec pour finir une formidable frappe du gauche de Marco Tardelli. L'Allemagne était assommée, l'Italie, en fait, vengeait Platini. Et c'était justice que Conti adresse une somptueuse balle de 3e but à son compère Alto Belli, qui tranquillement assurait une 3e Coupe du Monde à l'Italie. Le président Sandro Pertini était ravi, la squadra retrouvait son lustre d'antan et effaçait un demi-siècle de vache maigre. Merci, monsieur Berzotte, qui n'a pas oublié, en effet, l'humiliation de 1966. La défaite 1-0 devant la Corée du Nord, un but de Padoï. Qui n'a pas oublié non plus le réalisme sordide, efficace en Coupe européenne, mais jamais en Coupe du Monde. Un réalisme qui prit fin en 1970 au Mexique, devant la leçon de football des magiciens brésiliens. Un but pour l'Italie,
contre 4 pour le Brésil. Voilà maintenant 10 ans qu'Enzo Berzotte est apparu à la tête de la Squadra Azzurra. Jamais dans l'histoire du pays un sélectionneur n'avait duré aussi longtemps. Pourtant, ses rapports avec la presse n'ont pas toujours été très simples. Je dois vous dire que l'on a confiance en lui. Il nous a conquis. Au début, c'est vrai, on a eu certains doutes, bien vite balayés d'ailleurs par le comportement sérieux et très positif finalement du personnage. La presse sportive italienne est la première du pays. Le sport est un phénomène sociologique bien plus important qu'en France. La Gazzetta dello Sport est une puissance qui ne compose pas, qui ne s'embarrasse pas de sentiments. La presse propose, mais la presse n'est pas responsable des résultats. Moi, je suis disposé à contenter la presse le jour où elle aura la responsabilité de l'équipe nationale. Difficile d'influencer Berzotte, qui fait la même réponse lorsqu'il s'agit des intérêts régionaux. Il sélectionne en fonction de ses choix et non pour faire plaisir à tel ou tel président de club. Berzotte est un homme seul. Un homme très populaire, pourtant, y compris au sein de la sélection nationale, où chacun s'accorde à lui reconnaître une importance essentielle, pas due seulement aux résultats. Je crois qu'il part d'une hypothèse solide. Les résultats sur le terrain dépendant avant tout de l'entente hors du terrain. Les rapports humains sont essentiels pour lui. C'est sans doute pour cela qu'il est très conservateur dans le choix de ses joueurs. Chirea, Cabrini, Tardelli, Rossi sont tous issus de la Coupe du Monde 1978. Il rend aux joueurs la confiance qu'ils lui ont accordée. Exemplaire à ce titre, la préparation des gardiens de but confiée à Dino Zoff. Si Lecce a réussi en 3 mois la construction d'un stade de 55 000 places, Paris réussit, Berzotte, lui, doit réussir en 2 jours la préparation pour les matchs internationaux. Paris, difficile. Heureusement pour la Coupe du Monde, la durée de la préparation pour l'équipe nationale sera plus longue. 20 jours, c'est le maximum que j'ai pu obtenir. Suffisant peut-être pour une nouvelle fois décrocher la Lune. À Lecce, en tous les cas, la Squadra Azzurra a fait recette, 55 000 spectateurs le plein. Une équipe nationale qui ne joue donc pas exclusivement dans la capitale, ce qui explique peut-être en partie cette immense popularité. Éliminé avant la phase finale du dernier championnat d'Europe, qualifié automatiquement pour la prochaine Coupe du Monde, l'Italie ne peut disputer que des rencontres amicales. Son bilan depuis 1982 est plutôt moyen. 26 matchs disputés, 10 victoires, 9 nuls, 7 défaites. Et puis, des matchs amicaux, est-ce vraiment sérieux? Il n'existe pas de rencontre amicale dans le football italien. Ici, il y a un intérêt fantastique à tout moment, une pression constante. On n'a pas le droit de perdre. Et pourtant, les Italiens ont perdu devant la Norvège. Paradoxalement, les meilleurs, une nouvelle fois, ont été les vieux. Chirea, Cabrini, Altobelli, Conti. Conti qui dépose ici un extraordinaire ballon de but sur la tête d'Altobelli. Le public jubile. C'est vrai que l'Italie de Berzotte joue bien au ballon, qu'elle construit un football plus séduisant que celui de ses devancières. C'est vrai aussi que la moyenne d'âge augmente, qu'elle était contre la Norvège de 28 ans. Mais après tout, c'est une bonne maturité. Seulement, l'intégration des jeunes ne se fait pas facilement. Et puis, la défense, jadis réputée imbattable, est devenue bien fébrile, bien figée, comme en témoignent les 2 buts norvégiens. C'est vrai aussi qu'il lui manquait son buteur, Paolo Rossi, le meilleur buteur de la dernière Coupe du Monde, que ni Giordano ni Galderizzi n'ont pu faire oublier. Galderizzi, l'avant-centre de Vérone, qui à 21 ans s'est montré sans réussite, malgré une défonce de tous les instants.
Ce n'était pas son jour, ni celui de l'équipe d'Italie, humiliée à domicile. L'avenir de Berzot s'annonce donc difficile et les matchs contre la Pologne, l'Allemagne et l'Autriche risquent de faire couler à nouveau beaucoup d'encre. L'Italie aime avec passion, Meroni avec violence. Pourtant, pour Berzot, cette défaite n'a rien de tragique. Deux buts manqués à deux mètres, cela signifie qu'il y a un manque de réflexion qui découle tout simplement d'un manque de fraîcheur physique. C'est vrai aussi que l'Italie vient de débuter son championnat alors que la Norvège l'a presque terminé. Malheureusement, les jeunes Italiens de moins de 21 ans ont battu leurs homologues norvégiens 3-0 dans le même temps. La logique du raisonnement ne tient donc plus. Et Mancini, Matteoli, Vialli frappent désormais à la porte de la sélection nationale. Mais seront-ils entendus par celui qui continuera peut-être avec raison de faire confiance à ses anciens ? Quoi qu'il en soit, jusqu'au prochain mondial, Enzo Berzot et à marquer sera Rogeri.